Nous voici réunis afin de nous élever par la pensée vers Dieu. Nous demandons l'autorisation de réaliser ce moment de partage avec le concours des bons esprits. Le spiritisme. Le spiritisme est la science nouvelle qui vient révéler aux hommes, par des preuves irrécusables, l'existence et la nature du monde spirituel et ses rapports avec le monde corporel. Il nous le montre non plus comme une chose surnaturelle, mais au contraire, comme une des forces vives et incessamment agissantes de la nature, comme la source d'une foule de phénomènes incompris jusqu'alors et rejetés par cette raison dans le domaine du fantastique et du merveilleux. À ces rapports que le Christ fait allusion en maintes circonstances, et c'est pourquoi beaucoup de choses qu'il a dites sont restées inintelligibles ou ont été faussement interprétées. Le spiritisme est la clé à l'aide de laquelle tout s'explique avec facilité. La loi de l'Ancien Testament est personnifiée dans Moïse. Celle du Nouveau Testament l'est dans le Christ. Le spiritisme est la troisième révélation de la loi de Dieu. Mais il n'est personnifié dans aucun individu, parce qu'il est le produit de l'enseignement donné, non par un homme, mais par les esprits, qui sont les voix du ciel, sur tous les points de la terre et par une multitude innombrable d'intermédiaires. C'est en quelque sorte un être collectif comprenant des êtres du monde spirituel, venant chacun apporter aux hommes le tribut de leur lumière pour leur faire connaître ce monde et le sort qui les y attend. De même que le Christ a dit « Je ne viens point détruire la loi, mais l'accomplir », le spiritisme dit également « Je ne viens point détruire la loi chrétienne, mais l'accomplir ». Il n'enseigne rien de contraire à ce qu'enseigne le Christ, mais il développe, complète et explique, en termes clairs pour tout le monde, ce qui n'avait été dit que sous la forme allégorique. Il vient accomplir au temps prédit ce que Christ a annoncé, et préparer l'accomplissement des choses futures. Il est donc l'œuvre du Christ qui préside lui-même, ainsi qu'il l'a pareillement annoncé, à la régénération qui s'opère et prépare le règne de Dieu sur la terre. Prenons un instant afin de comprendre ce que nous vivons. Comprenons-nous tout ? Avons-nous une idée claire du pourquoi de certains accomplissements, de certaines situations, de certaines conséquences ? Parfois, il nous est difficile de nous repérer dans ce qui est vécu. Parfois, nous ne savons pas pourquoi cela est vécu, pourquoi ainsi, pourquoi moi, se dit-on. Sans cette clé qui va ouvrir les portes de la compréhension, il nous est parfois compliqué d'accepter telle ou telle situation, de la raisonner même, de voir les liens qui existent au-delà des apparences. Eh bien, le spiritisme nous permet cela, de comprendre facilement, simplement, ce que nous est proposé à vivre. Il nous délivre même une compréhension bien plus simple, bien plus claire, de notre vie, des relations que nous pouvons avoir les uns et les autres à travers le temps, à travers ces nombreuses expériences partagées ici, dans la matière. Notre grand frère Jésus nous a invités à raisonner, à mettre en œuvre, à vivre ces différents enseignements qu'il est venu nous donner. Il a parlé
à l'époque à un peuple habitant la terre, avec le soin de choisir les mots afin de faciliter la compréhension, de choisir même la manière de les amener en proposant des illustrations, facilitant la compréhension de ces hommes de l'époque habitant sur Terre. Aujourd'hui, l'humanité a progressé en de nombreux domaines et la moralité a suivi le développement de l'intelligence. Le spiritisme arrive donc au moment où l'humanité est prête à l'accueillir, où elle est capable de comprendre ce qui sera dit et révélé de façon simple, sans aucun voile. L'homme sera ainsi prêt à agir de façon consciente, parce qu'il aura compris où réside son intérêt et surtout quel est le chemin qu'il emprunte, quelles sont ses règles qui doivent être comprises. Souvent, la conscience nous parle et nous avons du mal à écouter, à comprendre ce qu'elle nous dit. Elle nous parle un langage qui a été quelque peu oublié, préférant un autre langage, plus grossier. La conscience nous parle avec ce langage du cœur, qui pourtant est compréhensible par tous. Il suffit de vouloir écouter pour comprendre ce qui nous est dit. Écoutons et comprenons, vivons. Ouvrons donc notre cœur à cette compréhension et à ce moment de vie, d'expérience, de partage, de progression, car il s'agit de cela, d'oublier nos vieilles habitudes, telles de vieux vêtements, pour en revêtir de nouveaux, de bien nouvelles habitudes. Ce vieil homme va rajeunir, va prendre de nouvelles décisions de vie, de nouvelles destinations, parce qu'il aura compris d'une autre façon, parce qu'il aura vu quel est son réel objectif de vie. Nous sommes venus en tant qu'esprit dans cette matière, dans cette matérialité, afin de nous dépouiller de ces vieilles habitudes qui nous retardent dans notre progression vers la perfection. Le seul objectif du spiritisme est de nous permettre cette amélioration morale, le perfectionnement moral. Nous sommes ici pour être parfait. Le spiritisme nous invite à comprendre comment le devenir, comment vivre, comment réfréner telles ou telles habitudes, telles ou telles impulsions, comment vivre enfin librement et pleinement notre vraie nature, comprenant les liens qui nous relient les uns aux autres, comprenant les conséquences de nos choix faits dans d'autres vies passées, qui font que certaines situations se présentent à nous, nous invitant à réajuster, à faire
mieux, du mieux que l'on peut, à réajuster en fonction de notre compréhension, de nous mettre en chemin, d'agir comme nous comprenons, comme nous pensons être le plus approprié. Et puis, de nous améliorer. Faisons et améliorons. Voilà ce que nous permet ces enseignements délivrés par nos frères, les esprits, qui disent avoir été ces hommes qui ont vécu sur Terre dans d'autres temps. Nous autres avons déjà vécu sur Terre à de nombreuses reprises. Nous voilà à nouveau dans une de ces occasions de faire, de vivre, de nous améliorer. Alors, profitons de cet instant pour le faire pleinement. Écoutons ce que dit notre cœur, notre conscience, et agissons. Car nous savons pourquoi nous sommes là. Nous savons que nous avons à pacifier telle ou telle relation, à réajuster telle autre. Et à entretenir ce lien avec Dieu. Un lien inaltérable, indéfectible. Nous avons été créés à son image. Il nous appartient de connaître et d'identifier notre vraie nature. Alors aujourd'hui, prenons le temps de nous poser un instant et de nous rappeler pourquoi nous sommes venus. Maintenant que nous avons identifié ce pourquoi, allons nous expérimenter dans la vie, cherchant à donner le meilleur de soi, faisant en sorte qu'aujourd'hui nous soyons meilleurs qu'hier, en tout point. Choisissons un point et avançons. Il s'agit de faire, puis de réajuster. Car c'est en chemin que nous allons faire ces rencontres qui vont permettre de mieux comprendre, d'affiner, de préciser, de nous réorienter sur ce chemin plus simple, dépouillé de toute fioriture. À nous de découvrir ce chemin. Remercions pour ce moment de partage, ce moment où nous sommes mis à l'épreuve afin de faire nos preuves. Merci pour cette vie, merci pour cette opportunité de comprendre, d'apprendre et de partager. Merci pour la chance qui m'est donnée aujourd'hui de grandir. Que la paix puisse être en chacun de nous. Nous remercions tous nos frères qui nous ont rejoints afin de partager ce moment d'élévation de la pensée vers Dieu. Puisse chacun d'entre nous répéter ce petit voyage de la pensée, par la pensée, vers Dieu. Ainsi soit-il.